Il arrive droit sur moi. À suivre. Alors les gars, je vais laisser filmer. Ah là, par contre, j'espère qu'il y aura des éclairs. Hein. Là, ça serait vraiment joli. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'éclair. Enfin, si, il y en a, mais en fait, ils sont pas visibles. Et maintenant, on va laisser filmer au maximum. Comme ça, nickel. Allez, bon visionnage. Eh merde! Bon, les canons à grêle font leur taf.
font leur taf. Ça fait le coup de tonnerre quand même. Alors là, c'est orage versus canon à grêle. Je vais laisser filmer. Hop, on va positionner ça comme ça. Comme tout à l'heure. Oh, il y a un éclair là. Je crois. Ce serait bien qu'il y ait un orage dans la soirée, ça serait cool. Il commence à bien pleuvoir là. C'est bien quand même, hein. Ça
ça peut être bien quand même. Hein. Même s'il y a les canons à grêle. Du fait qu'il y a des canons à grêle, les gouttes elles sont plus grosses. On voit bien que la grêle en fait elle a été réduite en miettes avec les canons à grêle. Tout à l'heure, alors vous verrez la vidéo je pense, la petite vidéo que j'ai fait, il y a eu des tout petits grêlons, enfin des tout petits mais cassés quoi, grâce au canon à grêle. Et là du fait que la canon à grêle ait persisté, enfin qu'il ait réduit en morceaux la grêle, bah, du coup ça, la grêle elle a fondu en même temps et du coup ça a créé des grosses gouttes. Dommage qu'il n'y a pas une petite activité électrique là, ça serait cool. Je vous ai pas dit, il est 16h26. C'est le troisième orage. Ça fait comme l'année dernière. L'orage, il arrive à persister. Bon les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine cellule. Attends, regardez les grosses gouttes là. Regardez si on voit là. Vous avez vu les grosses gouttes?